projet ne vient pas du tout de moi, c'est une commande à la base de l'Opéra de Limoges et de son directeur Alain Mercier, qui m'a proposé de revisiter cette œuvre du répertoire classique que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je me suis lancé un petit peu à l'écoute de l'œuvre musicale de Henri Sauguet, qui est un compositeur bordelais. Voilà, ça m'a donné d'autant plus d'intérêt de travailler sur cette œuvre-là. Moi, j'ai découvert une œuvre musicale d'une grande simplicité, très, très mélodique, rythmique. Voilà, et je trouvais qu'il y avait matière à faire pour essayer de la transformer, en tout cas musicalement, parce que l'un des challenges était vraiment de faire basculer cette œuvre symphonique dans le monde numérique d'aujourd'hui, avec le travail de Franck Delouise. Aussi, c'est réadapter le livret, parce que c'est une des premières pièces de Roland Petit, qui a installé un peu Roland Petit sur la scène nationale. Donc voilà, j'ai pas regardé l'œuvre au départ, hein, de ce qui a été fait chorégraphiquement. J'ai lu le livret de cet artiste de saltimbanque qui arrive sur la place d'un village, qui font leur numéro, leur succession de tableaux et qui demandent la quête à la fin et qui repartent dépités parce qu'ils n'ont rien dans leur calebasse. Ça, moi, j'aime bien cette image parce que ça montre un peu aussi la difficulté de vivre une vie d'artiste. Mais voilà, en tout cas pour moi, ce spectacle-là, c'est un spectacle, c'est une véritable rencontre multidisciplinaire où la musique symphonique rencontre la musique électro ou la danse hip-hop, c'est un bip de finition classique. C'est immense à faire ce spectacle-là, parce que ça a été de la rencontre, de la découverte. Et avec un chef d'orchestre, Philippe Forger, qui est exceptionnel, qui se prend au jeu et qui a voulu casser les conventions, les règles un peu établies dans ces maisons d'opéra où l'orchestre il reste dans sa fosse et son chef d'orchestre qui est là, qui dirige, il n'y a pas forcément de relation alors qu'avec ce chef d'orchestre, il se permet de diriger l'orchestre en se déplaçant, je trouve ça magnifique, où il monte sur scène pour entrer en interaction avec notre artiste électro. Alors moi j'ai un danseur qui vient diriger aussi l'orchestre, voilà, je trouve que on essaie de casser un petit peu les conventions, d'amener tout ça ailleurs, et de prendre du plaisir, d'être dans l'interaction, l'échange, la rencontre, l'harmonisation, la globalisation. Enfin voilà, je trouve que c'est super. C'est un spectacle qui apporte une énergie folle. Quand j'ai travaillé sur la création musicale, c'est Philippe Forger qui nous a dit, chef d'orchestre, il existe une version d'Édith Piaf qui s'appelait justement Les Forains, sur le thème de Henri Sauguet. Alors quand j'ai écouté ça, de suite, j'ai dit, il faut absolument qu'on utilise cet morceau, qu'on clôture ce spectacle, qu'on finisse ce spectacle sur cette musique d'Édith Piaf. Alors c'est le patrimoine de la musique française qui arrive tout d'un coup avec ses paroles criantes de vérité, de ce que c'est ces artistes saltimbanques qui apportent du bonheur au public. Et je trouve que ça amène une touche d'émotion qui se propage dans tout le public. C'est très très fort ce moment-là, je trouve.